C'est le moment des questions orales. Leader de l'opposition loyale de Sa Majesté. Merci. Vous savez, prenant la parole, j'aimerais féliciter mon nouveau critique pour les finances, Vic Fedeli, et le nouveau critique pour la redevabilité d'Ottawa. Vous savez, le Premier ministre, à une conférence de presse hier, vous avez dit que si nous n'adoptons pas les lois sur les dommages et sur l'alimentation locale, il y aura des élections. C'est comme si vous disiez que vous n'avez pas de nouvelles idées. Vous avez passé 8 mois en conversation. Vous avez passé l'été à faire le tour de la province, tenir la main à tout le monde. Peut-être que vous avez embrassé tout le monde, mais vous êtes revenu avec Malawa et rien comme idée. Alors, si c'est cela le mieux que vous puissiez faire, est-ce qu'il ne serait pas temps de changer le gouvernement pour nous remettre sur la bonne voie en Ontario? Oh, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Ordre, s'il vous plaît. Ce que j'ai dit hier, il y en avait d'autres parmi votre parti. Ce que j'ai dit hier reste valable, donc je vais signaler du doigt le député et une dernière mise en garde. Premier ministre. Merci, Président. Et je sais que, enfin, moi, ça va très bien. Je n'ai pas mal au bras. Je suis très forte. Enfin, j'ai fait du canoë et moi, je me sens bien. Président, j'aimerais préciser, je suis contente que le leader de l'opposition fasse attention à ma conférence de presse. Il n'a pas pu vraiment poser la question sans sourire, sans rire. Mais je l'apprécie quand même. Alors, moi, je me sers de cette loi qui est en fait une loi importante. Protéger les enfants contre le cancer, c'est très important. Mais je me servais de ce projet de loi, entre autres, comme exemple, Monsieur le Président. Et c'est un exemple de ceci, qu'il y a bien des choses sur lesquelles nous pouvons travailler ensemble. Il y a beaucoup de terrain commun. Des choses sur lesquelles le parti de l'opposition, le troisième parti, sont d'accord. Moi, je dis, il faut travailler là-dessus ensemble. Oui, il faut que l'Assemblée fonctionne. Leader de l'opposition. Merci, Président. Lorsqu'il s'agit du projet de loi sur les lits de bronzage, c'est un gouvernement qui montre le cancer comme exemple pour distraire, pour détourner l'attention du public du scandale des centrales à gaz. Alors, vous voulez coopérer, vous voulez travailler ensemble. Voici une idée pour vous, Premier ministre, parce que vous ne semblez pas avoir d'idée lorsqu'il s'agit d'emploi. Alors, la loi sur l'énergie verte, c'est le suicide économique. Cela fait augmenter le coût de l'électricité, ça détruit des communautés, ça les déchire. Alors, si vous avez entendu les gens travailler avec nous, est-ce que vous voulez coopérer et mettre fin à la loi sur l'énergie verte? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Premier ministre, Monsieur le Président, nous n'allons pas revenir en arrière. Moi, je viens d'être à une réunion, la réunion des esprits et des gens de partout dans le monde, ici à Toronto, parce que l'Ontario, c'est un exemple pour la durabilité. Nous développons la technologie, l'eau propre, dans la technologie verte pour l'énergie, Président. Et nous exportons nos connaissances, notre savoir. C'est ça l'avenir. Le leader de l'opposition semble vouloir nous ramener en arrière. C'est pas ça, Monsieur le Président. Nous allons aller de l'avant. Nous utilisons notre savoir, notre culture de l'innovation ici en Ontario. Ce sont les investissements que nous allons faire. Ce sont les investissements que nous faisons. Et nous allons aller de l'avant, avec ou sans lui. Mais nous aimerions qu'il soit de la partie. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Leader de l'opposition,
vous n'allez pas de l'avant, vous restez sur place à peine. Avec le programme Dalton Negati, vous savez, nous nous noyons dans le coût de l'électricité et qui nous coûte de l'argent et des emplois. Je sais que vous êtes bloqué dans le passé. Le programme Negati, vous ne voulez pas accepter de nous aider. L'amendement de la loi sur l'énergie verte. Voici quelque chose d'autre. Le collège des ouvriers qualifiés, c'est simplement des intérêts spéciaux. Ça va empêcher aux jeunes d'avoir de bons emplois. Il y a des coûts énormes, des taxes nouvelles pour les électriciens, pour les coiffeurs. Vous voulez coopérer, vous voulez avoir de bonnes idées. Mettez fin à ce collège des ouvriers qualifiés avant que ça ne coûte plus. Asseyez-vous. Premier ministre. Président, permettez-moi de parler un peu des choses que je fais depuis que je suis Premier ministre. Les investissements que nous faisons dans les affaires, par exemple, 17,6 millions de dollars pour soutenir les affaires, les entreprises dans les régions à travers la province. Profitant des 133 millions de dollars en investissement, nous créons des dizaines de milliers d'emplois. C'est ça l'investissement qu'il nous faut. 50 millions de dollars pour les capitaux à risque. Le leader de l'opposition parle de nous qui ne sommes pas en train d'aller de l'avant. En fait, c'est lui qui est bloqué dans le passé. Il n'a pas d'idée pour comment aller de l'avant, comment promouvoir l'entrepreneuriat, comment investir dans de nouvelles idées, des idées qui créent de nouvelles entreprises, de nouvelles affaires, qui créent des emplois. Ces 50 millions de capitaux risques, c'est ça que ça va faire. Et c'est ce que nous faisons pour créer des emplois, pour créer des conditions pour créer des emplois. Nouvelle question. Leader de l'opposition, pour revenir à ce qu'a dit le Premier ministre, nous avons plus de 200 pages d'idées audacieuses pour changer la tendance en Ontario, pour faire progresser l'économie. Vous ne pouvez pas trouver une seule idée et vous voulez coopérer, vous voulez être bloqué dans le passé avec le programme Dalton McGuinty. Je vous ai donné deux idées, vous les avez rejetées automatiquement. Vous avez rejeté la réforme de l'arbitrage. Vous avez peut-être fait du canoë, mais vous n'avez pas proposé une seule idée nouvelle pour faire progresser l'économie, pour contrôler les dépenses. Alors, je vais essayer encore une fois. Je sais que vous avez peur des syndicats du secteur public. Vous êtes dans leur poche. Alors, il faut résider. Il faut dire non. Il faut avoir un gel à travers la province des salaires qui va vouloir des milliards de dollars pour la province. Premier ministre, merci, Président. Vous savez, la base de ce que évoque le leader de l'opposition, c'est que nous devons couper les services, licencier des travailleurs. Alors, 10 000 dans l'éducation, par exemple, annuler des programmes et réduire donc les programmes et services. Et, Monsieur le Président, qu'il faut miner le secteur syndical. C'est l'un des piliers de sa philosophie. Nous ne le croyons pas. Nous croyons que les syndicats, travaillant ensemble, ont créé des lieux de travail sécuritaires. À travers les années, il y a eu beaucoup de positifs qui ont été faits au nom des négociations collectives. Nous croyons en ces processus, Monsieur le Président, mais le leader de l'opposition n'y croit pas. Et ça, c'est évident de ces 200 pages d'idées. Et c'est évident dans toutes les questions qu'il pose dans la Chambre. Leader de l'opposition. Permettez-moi de vous donner un autre exemple de comment le Premier ministre a peur lorsqu'il s'agit des chefs syndicaux du service public de la fonction publique. Les mêmes qui ont retenu en otage nos enfants dans les écoles, qui ont annulé les activités à travers les écoles, les remises des diplômes, les otages, les enfants étaient les otages. Et qu'est-ce que vous avez fait? Vous leur avez donné tout, vous leur avez augmenté les salaires, vous avez eu peur et vous avez même proposé leur président comme candidat dans une de vos circonscriptions. Qu'est-ce que ça dit sur votre leadership, votre capacité pour équilibrer les comptes? Vous voulez coopérer, vous voulez faire des choses, vous voulez équilibrer les comptes, annuler ce projet de loi. Il n'y a pas d'augmentation, il faut l'annuler. Ils ont retenu en otage la province. Premier ministre, ben, je reviens à ce que j'ai dit, que les idées derrière les questions du leader de l'opposition, c'est des troubles dans le secteur public, annuler des règlements qui sont dans les meilleurs intérêts de nos enfants, de nos élèves dans les écoles. C'est dans les meilleurs intérêts des élèves dans nos écoles, les élèves à travers la province, d'avoir une bonne relation de travail. Nous travaillons dans le contexte fiscal que nous avons créé. Il n'y avait pas de
fonds supplémentaires dans cet accord. Nous avons trouvé les économies que nous avons identifiées, mais ce que nous avons fait, Monsieur le Président, nous avons modifié la relation. Est-ce que nous avons obtenu? C'est une relation de travail avec le secteur de l'éducation. Nous allons maintenir cette relation dans les meilleurs intérêts de chaque enfant qui commence l'école aujourd'hui, qui a été dans l'école pour tous les élèves de cette province. Merci. Dernière question supplémentaire, leader de l'opposition. Premier ministre, ce que nous avons vu, vous avez donné tout aux enseignants. Nous avons le plus grand déficit jamais de l'histoire de l'Ontario. Nous ne pouvons pas payer cela. Il faut que ça s'arrête. Vous voulez coopérer, vous voulez faire des choses. Nous vous avons proposé beaucoup d'idées pour promouvoir la redevabilité pour les contribuables. Vous êtes Premier ministre depuis 8 mois. Vous avez embrassé tout le monde, à droite et à gauche. Mais il faut des idées. Il faut mettre des idées sur la table pour changer la tendance de la province, équilibrer les comptes et pouvoir aller de l'avant en Ontario pour être leader encore une fois. C'est ça notre projet. Asseyez-vous. Premier ministre. Président, enfin, j'ai évoqué quelques-unes des idées que nous avons eues, les choses que nous avons faites, investir dans l'infrastructure, dans les entreprises, dans les gens. Si nous faisons ces choses de manière stratégique, comme nous le faisons, par exemple, investissement dans l'infrastructure qui relève des 100 millions de dollars pour les municipalités, les ponts, les routes, l'infrastructure importante, c'est quelque chose dont j'entends parler depuis des années, lorsque j'étais ministre des Affaires municipales, lorsque j'étais ministre des Transports. Et j'aurais pensé que ce serait le genre de choses que les leaders de l'opposition soutiendraient, parce que cela va soutenir les municipalités rurales et du Nord qui ont une infrastructure vieillissante et qui savent que cette infrastructure, c'est une des conditions pour aider ces communautés. Alors 100 millions de dollars par année, c'est une contribution importante, un investissement important dans ce domaine. C'est le genre de choses que j'aurais pensé que le leader de l'opposition pourrait soutenir. C'est le genre de choses que nous allons continuer de faire parce que c'est cela qui va créer des emplois, qui va créer des opportunités dans toutes les communautés à travers la province. Leader du troisième parti. Merci, Président. Ma question se pose au Premier ministre. Et comme vous le savez, nous nous attendons à ce que l'Assemblée donne les résultats promis aux Ontariens dans cette session. Est-ce qu'elle pourrait expliquer exactement quelles sont ses priorités? Premier ministre. Président, je crois que c'est ce que je fais. J'ai dit que nous allons investir dans les gens, dans les entreprises, dans l'infrastructure. Ce sont les priorités qui, d'après moi, vont permettre de démarrer l'économie, créer des emplois. Et cela se fait déjà. Les investissements que nous faisons, le soutien que nous offrons, les changements que nous adoptons, c'est cela qui va créer des emplois et aider les gens dans leur vie de tous les jours. C'est ça notre priorité, que ce soit créer plus d'emplois, plus de services dans les soins à domicile ou pour le fonds d'emploi des jeunes ou des investissements dans les transports publics. Ce sont des choses qui vont permettre de démarrer l'économie, de créer des emplois à travers la province, Monsieur le Président. Question supplémentaire. Président, dans la presse, nous avons vu les soi-disant priorités du gouvernement. Cela comprend faire baisser les primes d'assurance, bureaux de redevabilité et puis travailler pour mettre les gens au travail. Et ils ont parlé de ça. Chaque idée, c'est une idée du Parti Nouveau-Démocrate. Les projets de le Premier ministre, par exemple, de nouvelles taxes sur les familles, des péages routiers, on en entend pas parler. Est-ce que la Première ministre a des priorités à elle qu'elle n'a pas partagées avec l'Assemblée ou est-ce qu'elle croit vraiment que les gens vont croire que les néo-démocrates ont les meilleures idées? Et ce sont des choses que nous les avons obligés à adopter, Premier ministre. Merci, Président. Et je suis tenté d'avoir une discussion constante concernant qui a eu cette idée ou cette autre idée. Mais je peux vous dire, Président, c'est quelque chose dont nous discutons depuis longtemps. Et le leader du troisième parti peut prétendre que c'est son idée. Mais le fait est que c'est une idée sur laquelle il faut agir. Nous avons trouvé un terrain commun, c'est dans le budget. Également, notre engagement vis-à-vis des transports publics. C'est une idée que je n'ai pas entendu évoquer à le leader du troisième parti. Investir dans l'infrastructure, dans les transports publics, ça, nous savons, c'est critique pour l'économie de cette région et également pour l'économie de la province. C'est une idée sur laquelle nous agissons et cela vient de nous.
Merci. Et dernière question supplémentaire. Monsieur le Président, alors voilà ce que les gens voient. Un gouvernement qui a promis d'agir sur la création d'emplois et qui est plus intéressé dans les opérations médiatiques plutôt que dans la création d'emplois. Alors le problème est que ce gouvernement ne se préoccupe pas de tenir aucune de ses promesses. Alors maintenant, nous avons encore les problèmes de l'assurance automobile que le gouvernement avait promis de baisser et maintenant on voit qu'ils sont plus intéressés au portefeuille du conducteur qu'à réduire les impôts. Alors est-ce que nous allons continuer de voir ces jeux qui ont aidé les libéraux jusqu'à présent à maintenir leur pouvoir et qui ont maintenu et qui ont tenu en fait la province de l'Ontario en arrière. La première ministre, alors je sais que la chef du troisième parti comprend qu'il y a beaucoup de nouveaux emplois qui ont été créés. Nous avons 60 000 emplois qui ont été créés et c'est la base de la reprise économique. Et je sais que la chef du troisième parti va dire aux Ontariens que nous avons effectivement commencer à créer de l'emploi. Nous allons continuer d'appuyer ces entreprises et d'appuyer les Ontariens et nous allons le faire en créant, en mettant en place les conditions qui permettent de créer de l'emploi. Donc, Monsieur le Président, la chef du troisième parti sait également que réduire les primes d'assurance automobile est quelque chose qui est en cours. Nous sommes en train d'y travailler. Le ministre des Finances a souligné la façon dont nous allons le faire. Nous sommes en train d'agir. C'est dans notre budget et nous allons continuer à mettre en œuvre ces mesures qui vont permettre de réduire les coûts d'assurance automobile. Nouvelle question, la chef du troisième parti. Merci, Monsieur le Président. Nouvelle question pour la Première ministre. Hier, dans cet hémicycle, la Première ministre a dit qu'elle, et je cite, ferait en sorte que toute question trouve une réponse. Alors, nous avons vu des questions fondamentales concernant les années qui n'ont pas trouvé de réponse. Est-ce que la Première ministre pense que ce soit acceptable? La Première ministre. J'aimerais pouvoir répondre à cette question, mais je ne sais pas de quoi la chef du troisième parti parle. Mais en général, Monsieur le Président, lorsqu'il y a des questions qui sont posées, nous fournissons les réponses et nous voulons toujours que les réponses arrivent. C'est ce que j'ai toujours dit. J'ai dit cela en comité. Il y a eu des questions, nous avons fourni les réponses. Nous avons donné l'opportunité de poser des questions à moi-même, à mes collègues, à l'ancien Premier ministre, et nous allons continuer de répondre à ces questions qui sont posées. Si la chef du troisième parti veut être un peu plus claire, moi je vais être plus claire dans ma réponse. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Alors, la Première ministre a promis qu'elle pouvait faire en sorte que lorsqu'il y a des questions, on donne des réponses. Elle a dit aux leaders parlementaires du gouvernement que les choses doivent être claires et que les questions concernant les anciens libéraux et les courriels puissent avoir une réponse. Le Président. J'aimerais rappeler à la chef du troisième parti qu'il y a eu donc une décision et qu'on ne devrait pas faire référence à cette décision à la Chambre. Alors maintenant, je demande à la députée de reformuler sa question. Reformulez votre question, s'il vous plaît. La chef du troisième parti. Alors, j'ai demandé à la Première ministre de faire en sorte qu'on puisse poser des questions. Ça n'a rien à voir avec une question de privilège. C'est ce que nous devons faire à cette Chambre. Et vous devez faire en sorte que vos promesses soient maintenues. Vous devez faire en sorte qu'il y ait des réponses aux questions qui sont posées. C'est quelque chose que vous avez promis. Et malheureusement, nous ne voyons pas de résultats. En tant que leader, en tant que Première ministre, vous devez faire en sorte qu'en comité, les questions trouvent une réponse. La Première ministre. Monsieur le Président, j'ai été catégorique dans mon soutien pour un processus ouvert pour que si le comité prend des décisions, si on travaille donc en suivant les règles, le comité travaille avec le bureau des greffiers et ce processus doit se développer conformément aux règles. J'ai appuyé le fait que quand on pose une question, on doit donner une réponse. Mais on ne peut pas aller de l'avant sans l'avis du greffier. Nouvelle question.
La première ministre a un choix très facile. Elle peut commencer à protéger les libéraux ou elle peut faire en sorte que lorsqu'il y a des questions sur le problème des centrales, il y ait des réponses. Alors, que va faire cette première ministre? Est-ce qu'elle va continuer à protéger les libéraux ou elle va répondre à son rôle de leader et elle va commencer à répondre aux questions et elle va faire en sorte que ce comité puisse poser les questions importantes et recevoir des réponses. Merci, Monsieur le Président. Alors, je vais renforcer ce que je viens de dire, c'est-à-dire que le comité a mon soutien, mon encouragement pour pouvoir faire son travail. Quand je suis arrivée donc à ce poste, j'ai lancé un processus. Et il y a eu 125 000 documents en comité, 32 motions, 53 témoins, 90 heures de discussion. Ce comité a le droit de faire son travail et comme je dis, j'encourage que ce travail soit fait. Donc ce contre quoi je me défends, ce sont les accusations comme quoi je fais obstruction. Et ce n'est pas du tout le cas, c'est bien le contraire. J'ai lancé un processus. Je veux que ces questions trouvent une réponse. Et ce que je veux également, c'est que nous soyons en mesure de faire le travail des pour les Ontariens et que nous allions de l'avant pour que les investissements soient en place pour créer de l'emploi. Nouvelle question, député de Nipissing. Merci, Monsieur le Président. Question pour la Première ministre. Il y a 5 ans, le monde est entré dans sa crise financière la plus profonde depuis 80 ans. Les familles souffrent, l'Ontario souffre. Depuis lors, d'autres pays ont fait d'autres décisions. Ils ont décidé de réduire les dépenses, de créer de l'emploi et de recréer la prospérité. Mais l'Ontario ne l'a pas fait. Arrêtez la pendule. Le procureur général à l'ordre, s'il vous plaît. Le député d'Etobicoke Nord à l'ordre. Continuez, s'il vous plaît. Votre gouvernement a mis ce gouvernement dans une situation de dette de plus de 250 millions de dollars sans programme pour équilibrer le budget ou de recréer des emplois dans le domaine de la manufacture qui ont été perdus, sans programme pour revenir à la prospérité. Aujourd'hui, on questionne votre manque de programme et votre approche. Alors, utilisez votre intelligence. Est-ce que vous êtes en train de... est-ce que vous pouvez dire aux Ontariens quelle coupure draconienne vous prévoyez pour rééquilibrer le budget? Au ministre des Finances. Monsieur le Président, je souhaite profiter de cette occasion pour féliciter mon collègue pour être devenu porte-parole dans le domaine des finances. Et l'une des façons dont nous allons pouvoir travailler ensemble est de faire très attention et d'être très honnête concernant ce qui a été réalisé. Le député parle d'un programme. Il parle du fait de vouloir trouver l'équilibre. Et plus important encore, cet après-midi, nous allons publier des informations concernant notre programme et concernant tout ce qui a été fait aussi par le passé. Il y a des décisions difficiles qui doivent être appuyées par l'opposition, mais nous l'avons fait jusqu'à présent. Nous avons pris des décisions difficiles et nous allons continuer de le faire. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais vous rafraîchir la mémoire, Madame la Première ministre. Le gouvernement devait se concentrer sur la reconstruction des économies et votre gouvernement s'est concentré sur le fait de gaspiller plusieurs centaines de millions de dollars dans des scandales concernant des centrales à gaz. Vous aviez promis de financer l'éducation des enfants et vous n'avez fait qu'augmenter les impôts pour les contribuables. Les emplois qui étaient très bien et qui maintenaient les gens hors de la pauvreté ont été perdus. Votre programme de dépenses est quelque chose que l'Ontario ne peut plus supporter. Vous regardez par exemple les coupures pour les services de physiothérapie. C'est quelque chose qui nous mène d'un scandale à l'autre. Alors, Madame la Première ministre, est-ce que vous êtes trop occupée à protéger votre parti et, ou plutôt vous voulez protéger notre gouvernement?
notre province. Monsieur le Président, la province et les Ontariens, encore plus important, ont travaillé très dur pour pouvoir garantir la reprise économique. Et le député d'en face s'est contredit deux fois. D'un côté, il veut que nous appliquions des coupures et de l'autre côté, il se plaint quand il y a des coupures. Il ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Il faut pouvoir garantir qu'on puisse arriver à une reprise économique, à un équilibre. Et 180% de ces emplois ont été recouvrés. C'est quelque chose qui fait que 477 000 emplois nets ont été recouvrés. Nous avons été très stratégiques dans les investissements que nous avons mis en place. Donc, nous allons continuer sur le long terme. C'est cela qui est important. Nous allons faire des investissements pour faire en sorte qu'on puisse faire face à ces investissements. Et nous allons faire tout ce qui est à notre pouvoir. Nouvelle question. Au ministre des Transports et de l'Infrastructure. 85 millions de dollars ont été dépensés pour la ligne de métro de Scarborough. Mais la semaine dernière, le ministre a jeté pratiquement ces fonds à la poubelle. Est-ce que le ministre va dire combien d'argent il va encore gaspiller au total en poursuivant des manœuvres qui sont myopes et qui ne mettent pas en place les projets nécessaires concernant le métro? Le ministre. Merci, Monsieur le Président. Nous avons travaillé beaucoup avec Metrolinx, avec d'autres sociétés. Nous avons identifié les besoins dans le système pour qu'on trouve véritablement le meilleur chemin pour aller de l'avant. Metrolinx travaille avec nous. On essaie de ne pas changer de programme. Nous allons de l'avant avec un accord très solide qui a été mis en place avec la ville de Scarborough pour l'intensification de la ligne de métro, la création d'emplois. Le ministre des Transports travaille à ce domaine. Ça représente des millions de dollars de planification. Donc, Monsieur le Président, ce que nous faisons pour pouvoir respecter ce qui a aussi été demandé par les néo-démocrates est de changer la technologie. Et nous sommes au même niveau concernant ces besoins. Donc, ça va coûter beaucoup d'argent. Ça va coûter 180 millions de dollars. Et donc, nous allons continuer. Question complémentaire. Un ministre responsable et un gouvernement responsable essaieraient de prendre en considération le coût de cela pour évaluer le coût, les retards et les risques associés avec un changement de l'infrastructure, surtout lorsque après les scandales des centrales à gaz de Mississauga et de Oakville. Nous savons que les contribuables vont devoir payer encore 85 millions de dollars pour pouvoir dérailler en fait un programme qui avait été lancé pour Scarborough. Est-ce que le ministre peut nous dire quel va être le coût total pour la confusion et le chaos et les retards et le gaspillage de la nouvelle stratégie pour les transports de ce ministre? Monsieur le Président, moi et mes collègues de Scarborough pouvons nous dire la même chose. Nous devons respecter les promesses qui ont été faites, c'est-à-dire un métro qui fonctionne bien à Scarborough. Donc, nous devons le faire avec des coûts efficaces et j'aimerais que le député d'en face puisse se joindre à moi pour montrer que nous avons fait tout ce qui est nécessaire. Alors, nous pouvons aller de l'avant avec les activités. Je suis confus concernant ce que fait le NPD à Scarborough. Est-ce qu'ils appuient le métro ou pas? Comment ils le financeraient? D'où viendrait l'argent? Dans quel délai ils le feraient? Alors,
Je serais ravie de comprendre quelle est la position du NPD à ce sujet. Et une fois qu'ils seront clairs, nous pourrons avoir une conversation à ce sujet. Nouvelle question. Merci, Monsieur le Président. Question pour la ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, nous savons que notre responsabilité est de garantir la sécurité de nos étudiants dans les salles de classe. En tant qu'ancienne conseillère scolaire, je sais que les enseignants prennent au sérieux la sécurité des enfants et mettent en place tout ce qui est nécessaire pour garantir cette sécurité. Dans ma circonscription, un directeur d'école, Paul Harvey, a mis en place des mesures pour faire en sorte que les portes de l'école soient fermées à clé pendant les heures d'école. Cela vise à protéger les étudiants. Nous savons que j'aimerais que la ministre nous dise ce que fait le gouvernement pour garantir que l'environnement dans les écoles soit sûr. Est-ce que la ministre peut donc nous dire ce que fait le gouvernement pour faire en sorte que les écoles soient sûres? La ministre. Oui, merci, Monsieur le Président. Et comme a dit la députée de Scarborough et Jeancourt, la sécurité de nos étudiants doit être notre priorité. Notre gouvernement a travaillé très dur pour faire en sorte que les écoles soient les plus sûres dans le monde. Alors, l'année dernière, nous avons réouvert le programme École Sûre avec un autre investissement de 10 millions de dollars pour qu'on puisse avoir plus de contrôle sur qui rentre dans les écoles pendant les heures d'école. Alors, je suis ravie de pouvoir dire que les écoles de l'Ontario, les écoles élémentaires de l'Ontario, et nous en avons plus de 3300, ont reçu des financements pour mettre en place un programme qui vise à augmenter la sécurité. Donc, ce que nous demandons est de restreindre l'accès à l'école pendant les heures. Alors, tous les conseils scolaires de l'Ontario demandent également de pouvoir mettre en place des mesures et ils ont commencé à le faire en travaillant avec les forces de police locales pour pouvoir améliorer la sécurité. Question complémentaire. Merci. J'aimerais remercier la ministre pour sa réponse et j'aimerais la féliciter sur le fait d'avoir réouvert le programme pour les écoles sûres. Alors, une approche globale pour la sécurité dans les écoles est importante pour tous les députés de cette Chambre. Des écoles sûres sont fondamentales, mais nous devons aussi avoir un système qui fonctionne véritablement bien pour que nous puissions avoir du succès. Nous savons qu'il y a aussi des problèmes d'intimidation dans les écoles. Alors, l'intimidation a des effets très nuisibles sur les étudiants et nous devons faire en sorte que cela soit évité. Nous savons que les enseignants dans nos écoles travaillent très dur pour pouvoir éviter les problèmes d'intimidation parce que nous savons que lorsqu'il y a des problèmes de ce type, le bien-être social est miné. Alors j'aimerais demander à la ministre si elle peut dire à la Chambre ce que fait ce gouvernement pour combattre l'intimidation dans les salles de classe. La ministre. Merci, Monsieur le Président. Et merci encore à la députée pour cette question si importante, car chaque étudiant en Ontario a le droit de se sentir sûr et accepté lorsqu'il est dans l'école. Et voilà pourquoi donc nous avons la loi sur les écoles tolérantes. Cette loi garantit que tous les conseils scolaires aient des politiques en place contre l'intimidation et pour la prévention et l'intervention contre l'intimidation. Pour la première fois, donc, nous avons trouvé l'intimidation dans une loi pour que chaque étudiant, chaque enseignant, chaque directeur d'école et chaque parent sache exactement de pourquoi nous parlons de cela et de quoi nous parlons quand nous disons que l'intimidation n'a pas sa place dans les écoles. Cette loi inclut également une définition de l'intimidation parce que nous savons que l'intimidation peut se produire aussi par l'Internet et donc nous devons lutter également contre ce type d'intimidation et nous voulons faire en sorte de créer un environnement sain et sûr dans les écoles. Nouvelle question. À la Première ministre. Madame la Première ministre, vous dépensez chaque année 10 milliards de l'argent des contribuables pour payer les intérêts d'une dette qui pèse sur notre dos. Alors, vous avez dit que vous alliez améliorer le transport en commun. Peut-être que vous pouvez dire aux voyageurs de ces transports en commun combien d'argent pourrait être utilisé pour construire l'argent alors que cet argent est gaspillé pour payer la dette. Je ne suis pas sûr de répondre à la question, mais je vais y répondre. Je comprends la situation.
c'est-à-dire la mise en doute de l'investissement en transport en commun. De ce côté de la Chambre, que le transport en commun est une condition essentielle pour la prospérité économique dans cette région et dans plusieurs parties de la province. Nous, on va continuer d'investir en transport en commun. Nous allons éliminer le déficit d'ici 2017. Le ministre des Finances va se présenter au compte public et le député va pouvoir l'écouter. Si on n'investit pas et pour la croissance économique, on ne va pas créer d'emplois. Et pour moi, ce n'est pas une situation acceptable. Madame la Présidente, on ne peut pas construire sans plan solide. Vous ne pouvez pas donner une solution pour Toronto. Vous et votre gouvernement, vous avez eu 10 ans pour construire le métro, mais vous avez augmenté la dette plus tôt. Et maintenant, votre ministre du Transport fait une annonce qu'on fait chaque semaine, alors qu'il a gaspillé 10 ans et des millions de dollars. Pourquoi est-ce qu'on pourrait le voir maintenant? Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Merci. Premier ministre, merci, Monsieur le Président. Je pense que le député devrait parler à Brampton, Mississauga, les gens qui prennent le train Gold pour aller à Waterloo, ou à Barrie, ou les gens qui, les nafteurs qui vont se rendre à l'université York. Je crois que le député devrait parler à ces gens concernant les investissements de ce gouvernement. La réalité est que les gouvernements subséquents n'ont pas investi en transport en commun ou n'ont pas commencé à investir en transport en commun. Et puis, tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont comblé les trous. Le député fait partie d'un parti qui a fait cela. Nous avons investi dans le transport en commun depuis que nous sommes au pouvoir. La réalité est qu'il y a des problèmes litigieux sur certains tronçons. Sans l'aide du conseiller municipal, alors qu'il était même conseiller municipal. Nous allons continuer d'investir dans le transport en commun. Nouvelle question, député d'Essex. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. Première ministre, vous avez indiqué récemment que vous avez appuyé un projet conservateur qui va régler un problème entre Ellisdon et d'autres métiers de la construction dans cette province. Le gouvernement a un bilan pour se joindre aux conservateurs pour diminuer les négociations collectives, comme vous avez fait l'année dernière avec le projet de loi 115. Pouvez-vous expliquer pourquoi l'adoption d'un projet de loi conservateur pour une seule entreprise de construction est l'une de vos priorités? Merci, M. le Président. Comme je l'ai dit hier, lorsqu'on m'a posé cette question en conférence de presse, c'est une anomalie qui avait été prise dans les années 50 et le projet d'initiative privée va corriger la situation, va donner des chances à tous concernant le secteur de l'industrie dans cette province. Et pour moi, ça a du sens pour qu'il y ait de l'équité dans le système. Et ce projet de loi s'attaque à ceci concernant les relations de travail. Ils ont donné un laisse-don pour faire adopter ce projet de loi. C'est une anomalie qui doit être corrigée pour donner des chances équitables à tous. Merci, M. le Président. Premier ministre, vous avez dit que vos 10 ans seraient différents de votre prédécesseur. Maintenant, nous savons tous que les négociations collectives ne sont pas en droit pour les Ontariens. Les gens de l'Ontario veulent des résultats. Ils sont inquiets. Ils sont inquiets lorsqu'ils voient les conservateurs et les libéraux travailler ensemble pour adopter un projet de loi concernant une seule entreprise alors que les hommes et les femmes ont un problème avec ce projet de loi. Et même le député de Lanark a un problème avec ce projet de loi.
Pourquoi se fait-il? Êtes-vous déterminé de travailler avec les consommateurs pour nous faire adopter ce projet de loi, Monsieur le Président? Je comprends la politique de transformer ceci en une lutte idéologique. C'est une solution pratique à une anomalie qui existe depuis plusieurs années, avant même que je sois né. Et cette anomalie doit être corrigée, donc pour que les chances soient égales à tout le monde dans le secteur de la construction. Et je suis très pratique. Je ne vais pas me laisser piéger dans une idéologie lorsqu'il y a une solution pratique. Et c'est ce que nous faisons faire. C'est ce que nous faisons. C'est pour ça que nous allons adopter ce projet de loi. Merci. Ma question s'adresse au ministre de la Formation, des collèges, des universités. Ministre, un grand nombre de jeunes dans ma circonscription de Oak Ridges Markham qui fréquentent les écoles postsecondaires. Ces personnes ont des difficultés financières et dépendent de leur appui du système d'aide de bourse du gouvernement. Et parfois, aller à l'école est un problème. Donc, il faut tenir compte des besoins changeants de la société. Ministre, quelles sont les mesures prises par le gouvernement pour augmenter l'accès aux études postsecondaires dans notre province pour nous assurer que tous les étudiants aient la possibilité pour réussir dans la vie? Merci, ministre. Je voudrais remercier la députée pour cette question. Nous voulons nous assurer que le système postsecondaire est accessible à tous les étudiants sur la base de disponibilité pour apprendre et non pas la disponibilité de payer. Et le coût dont nous voulons faire davantage pour que les frais de scolarité soient abordables et disponibles pour les jeunes, pour une économie plus forte et créer de bons emplois. Depuis que nous avons déposé le projet de diminuer de 30 % les frais de scolarité, plusieurs de personnes à l'échelle de l'Ontario ont bénéficié de son programme. C'est exceptionnel. Donc, c'est beaucoup d'aide pour les étudiants. Depuis 2003, nos investissements ont doublé le nombre de personnes accessibles aux prêts et bourses. Notre programme a augmenté de 40 % Malgré les situations économiques difficiles, nous allons aider les étudiants pour avoir accès à des études postsecondaires pour tous. Merci, M. le Président. Je suis heureuse que nous allons rendre accessibles financièrement les études postsecondaires pour tous les étudiants de l'Ontario. Dans ma circonscription, il y a un nombre croissant de jeunes qui veulent accéder aux études postsecondaires. Ces gens veulent savoir qu'au moment qu'ils obtiendront leur diplôme, qu'ils auront un bon emploi pour payer leurs prêts. Mais un grand nombre d'étudiants auront beaucoup de difficultés à obtenir un emploi et à payer leurs bourses. Quelles sont les mesures prises pour appuyer les étudiants pour, à la fin de leurs études postsecondaires et qu'ils entrent sur le marché du travail? Je voudrais remercier la députée de son excellente question. Les jeunes veulent avoir une éducation de qualité, mais c'est notre responsabilité d'assurer une aide après la diplomation. C'est pour ça que nous avons créé les bourses pour aider les étudiants à repayer leurs prêts scolaires. Donc, nous voulons aider les étudiants pour repayer leurs prêts. Nous avons créé également et nous avons annoncé, par exemple, cet été, un fonds pour les jeunes pour donner à 25 000 personnes pour qu'ils aient ils entrent sur le marché du travail pour obtenir des compétences, faire l'expérience d'un véritable du marché du travail et d'avoir un revenu parce que nous voulons qu'ils créent, développent leur carrière et leur vie. Nous allons continuer de faire tout ce que nous pouvons par des stratégies axées sur les jeunes pour avoir un bon départ dans la vie, un emploi et la prospérité de l'Ontario aujourd'hui et de demain. Nouvelle question, député de Cambridge. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la première ministre. Première ministre, vous pouvez être à chaque chambre et dire que vous avez appris de vos erreurs, mais la réalité est que si vous avez eu l'occasion d'annuler les centrales à gaz, et vous alliez les annuler parce que ce sont les... et faire payer les conservateurs et les consommateurs. Et Guy a dit que vous avez accepté d'annuler sans connaître les coûts. Et c'est pas surprenant que les consommateurs, les
les libéraux augmentent les taxes et c'est comme ça qu'on gagne les élections. Ceci indique également comment le gouvernement, le député de Vaughan, a refilé aux contribuables de la province 600 millions de dollars pour l'annulation des centres. C'est la culture libérale. Si vous gagnez une élection, il n'y a rien d'autre. Première ministre. Puis, étant donné que vous avez commencé à parler de campagne électorale yesterday, quel est votre plan pour acheter des votes au cours de la prochaine élection? Monsieur le Président, je voudrais partager avec les députés une histoire. Qu'est-ce qui s'est passé pendant l'été? J'étais à un barbecue, quelqu'un est venu me parler. Cette question des centrales, j'ai appris que les conservateurs et les néo-démocrates voulaient également l'annuler, ces centrales. Vous pouvez dire, raconter cette histoire. Et j'ai un des clients de Marianne, Monty Welling, les conservateurs de l'Ontario, candidat. La seule partie qui va arrêter les centrales à gaz, ce sont les conservateurs. Le 6 octobre, voté pour les conservateurs. Jane Anneset, la candidate de Mississauga Sud, et je cite seulement les conservateurs et le Témoudak vont annuler la centrale au gaz de Mississauga. Je peux continuer et je vais continuer un supplémentaire parce que, Monsieur le Président, c'est une promesse qu'ils ont faite et c'est une promesse que nous, on a tenue. J'espère que le leader parlementaire et j'espère que la personne. Et donc, ça vous a coûté un demi-milliard de dollars pour annuler. Le gouvernement n'est pas en mesure de dire la vérité au public, d'être transparent. Et ce n'est pas parce que vous utilisez le mot transparent que vous êtes transparent. Le gouvernement a essayé de vendre un mythe. Un gouvernement qui a publié des chiffres alors qu'il savait que le chiffre serait plus élevé. Et le gouvernement qui veut avoir toutes les réponses, mais lorsqu'ils font de l'obstruction, lorsque nous posons des questions en comité, et également qui ont accepté d'annuler certains documents, si des documents ont été éliminés, comment est-ce qu'on peut croire ce que vous dites? Lorsque les actions disent le contraire, leader parlementaire du gouvernement, Monsieur le Président. Une de mes histoires, le candidat Mississauga Sud, les appels robotisés, ils connaissent très bien ce domaine. Jeff Yannisek, votre candidate dans Mississauga Sud, je demande, vous avez construit une centrale à gaz dans votre cour et nous et moi en tant que conservateur, je vais empêcher la construction de cette centrale. Nous avons frappé à toutes les portes pendant plusieurs mois et parler de la centrale pour nous assurer que nous allons défaire les libéraux dans cette circonscription et annuler leurs mauvaises décisions. Monsieur le Président, tous les partis se sont opposés à ces centrales à gaz. Ils disent que les conservateurs ont été les seuls à dire qu'ils allaient l'annuler. Nous avons également un nouveau conservateur de Etobicoke et qui lui-même s'était opposé à la centrale. Et 20 centrales ont été mises en œuvre et 17 ont été bien installées. Seulement 2 ont été mal situées. La société d'aide à l'enfance souffre de coupures parce que le gouvernement a coupé leurs dépenses de 50 millions au cours des 5 derniers mois. Certains des enfants les plus vulnérables d'Hamilton, London, Tonnebay, Niagara, Waterloo et d'autres, une douzaine d'autres communautés, collectivités, ont un avenir pas très prometteur. Pourquoi le gouvernement pense que c'est OK de gaspiller des centaines de milliers de dollars en scandale de centrale et couper les services aux plus vulnérables de la province? Ministre des services à la jeunesse et à l'enfant, merci de la question. On a eu des discussions concernant les sociétés à l'enfance à l'échelle de la province. Notre financement n'a pas été coupé. On sait très bien, les investissements sont toujours là, 1,5 milliard de dollars. Ce budget n'a pas été coupé, on le sait. Ils mettront en place une nouvelle formule de financement pour que la situation soit plus équitable à l'échelle de la province. Par le passé,
Nous avons fait des dépenses exceptionnelles. Maintenant, nous tenons compte des collectivités de différentes variables pour que la situation soit équitable. Nous avons un programme de transition qui est quinquennal et en vertu des recommandations de la Commission et également d'autres approuvés par la Société de l'enfance. Député. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la ministre. Dans ma circonscription, des installations spécialisées pour les jeunes, un centre sera fermé, le personnel sera congédié. Cette installation a fait partie de la tradition de ma circonscription et en tant que une porte-parole de la société. Le centre était fermé, non pas parce qu'il n'y avait pas de financement acceptable. Cette décision n'a pas été prise pour améliorer le résultat pour les 20 jeunes de ce centre de services spécialisés. Qu'est-ce que la ministre veut dire aux jeunes, aux familles, aux travailleurs, aux ceux qui reçoivent des services, qui n'ont pas d'autre possibilité que de fermer les portes de ce centre de services spécialisés? Merci. Je voudrais souligner notre priorité, c'est pour les jeunes qui reçoivent des services. Les jeunes ne sont pas mis à risque. Ces lits ne sont pas perdus. Dans ce cas, les services et le soutien dispensés seront transférés à un autre centre à proximité et les services de la protection des enfants ne seront pas modifiés. Nous aurons un système plus durable, viable pour le bien-être des jeunes et ce que nous voulons tous en cette Chambre. Je crois que notre investissement général dans la province ne va pas changer. Nous voulons qu'il soit plus équitable à l'échelle de la province et nous allons toujours mettre nos jeunes au centre de nos décisions. Député d'Ottawa-Orléans. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au procureur général. Je sais que l'Ontario a été inquiet parce que la distribution d'images, je reconnais également, on demande au gouvernement fédéral depuis 2011 de modifier le code criminel pour protéger les jeunes de l'intimidation, cyber-intimidation. Est-ce que le procureur général veut nous donner la mise à jour concernant les améliorations concernant la criminalisation de la cyber-intimidation? Procureur général, merci, M. le Président. Je sais que le député est inquiet, comme beaucoup d'autres dans cette Chambre. À cause de la technologie, ces situations surviennent, existent, et on devrait s'y attaquer. Il a raison. Depuis 2011, le procureur général et le ministre de la sécurité communautaire et de la et l'idée de concernant la publication de photos sur Internet. Il y a eu plusieurs réunions avec le fédéral. J'ai eu une correspondance avec le procureur général de la Nouvelle-Écosse également concernant. Ceci sera soulevé au cours de la réunion automnale. J'espère que le gouvernement fédéral sera abordé par le gouvernement fédéral et qu'une loi sera déposée à cet égard pour criminaliser la cyber-intimidation. Je voudrais remercier le procureur général. Je suis heureux d'entendre que le gouvernement continue à s'engager pour modifier le code criminel pour rendre la cyber-intimidation au code criminel. Je sais que c'est une étape importante de la participation du gouvernement pour nous assurer que les jeunes réussissent à l'école et dans la collectivité et que les écoles sont tolérantes. Je sais que le comité de coordonnants et du groupe contre la cyber-intimidation ont publié un rapport. Est-ce que le procureur général veut donner les conclusions du rapport? Oui, il a raison. Le comité de coordination de fonctionnaires de différents ministères à l'échelle du pays, ils ont travaillé de façon diligente au nom du Canada, que ce soit au niveau provincial, territorial ou national. Ils ont également donné des conclusions pour criminaliser la cyber-intimidation. Je vais soulever
l'avait soulevé l'enjeu avec le procureur général au niveau fédéral et j'espère que le gouvernement fédéral va s'attaquer à ce problème. Je crois que ce projet de loi aura l'appui de tous les députés au fédéral parce que nous voulons protéger les enfants, spécialement avec la stratégie par la suite des tragédies qui se sont produites au pays. Et heureusement, j'espère que le projet de loi fédéral sera adopté. Nouvelle question, le député de Leeds-Grenville. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. Madame la Première ministre, ça fait trois semaines depuis que la conférence de l'Association des municipalités vous a dit que le système d'arbitrage que ne fonctionne pas, il faut le réparer. Il y a les contribuables qui ne peuvent pas payer pour un système qui ignore les réalités économiques des collectivités où les pompiers ont reçu une augmentation de 20,7%. Vous aurez dû déposer un projet de loi sur l'arbitrage dans ce domaine hier. Vous avez voté contre notre projet de loi sur la capacité de payer. Vous avez abandonné nos partenaires municipaux. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi est-ce que la réforme de l'arbitrage n'est pas une priorité pour vous? Le ministre du Travail. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le député d'avoir demandé cette question importante, une question sur laquelle je travaille et je suis en conversation avec les chefs municipaux, en particulier à l'AMO. C'est important qu'on ait des renseignements importants pour tous les députés quand on établit une voie à venir. Pour la plupart, le système qui existe fonctionne. 97% des ententes collectives ont été signées sans problème. C'est important de se souvenir. Et la plupart des accords adviennent à la table de négociation sans arbitrage. Et c'est important de parler et de s'assurer que les conditions justes soient là pour la négociation collective et que les deux parties puissent négocier. Merci. Question complémentaire? Excusez-moi, Madame la Première ministre, Monsieur le ministre, c'est pas si bien. C'est des gestes, pas des mots qui comptent. On n'a pas besoin d'une autre conversation. Il faut passer au travail. Les conservateurs de l'Ontario ont donné une solution à l'automne, au printemps dernier. On a donné le stylo à l'AMO et cette entente contenait tout ce que vous avez. Mais vous avez rejeté cette demande. Et notre porte-parole, M. Olson, est engagé. Si vous avez un projet de loi qui a ces conditions-là, on va l'appuyer. Et c'est des mesures que l'AMO et les municipalités veulent avoir. Est-ce que vous allez rendre ça une réalité? Réponse du ministre. La mémoire sélective, c'est quelque chose qu'on souffre de temps à autre ici en Chambre. Je veux rappeler le député qu'en 2012, au printemps, quand on avait des réformes claires au système d'arbitrage pour que ça soit atteint, transparent. Ce parti, c'est-à-dire les démocrates, pour rejeter cette réforme. Beaucoup des enjeux qu'il soulève seraient disparus si on avait adopté ce projet de loi. On veut avancer, on veut s'assurer qu'on travaille en concertation avec l'Association des municipalités de l'Ontario et les pompiers. On les a invités à la table pour qu'on puisse avoir de bonnes conversations pour déterminer quelles sont les bonnes mesures de réforme afin qu'on puisse ensemble résoudre les problèmes. Merci. Une belle question. La députée de Canary Rainy River. Merci. Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. Depuis une décennie, les consommateurs ont reçu des chocs après avoir signé des accords. Et l'ajustement global a été annoncé la dernière semaine, va doubler à 8,62 cents par kilowattheure. Ça veut dire que des familles qui paient déjà beaucoup vont payer à peu près 15 à
17 cents par kilowattheure, 24 heures par jour, presque un tiers de plus que le prix à d'autres consommateurs à cause des ententes qu'ils ont signées. Qu'allez-vous faire pour défendre les consommateurs? Réponse du ministre. Monsieur le Président, le gouvernement de l'Ontario est bien reconnaissant des pressions que les tarifs d'électricité souffrent à travers la province. On a pris des mesures pour protéger les familles à travers la province. On a aussi des considérations spéciales pour des gens dans le nord de la province. Mais la remise fiscale de l'énergie propre donne 10 % de rabais pour les factures d'électricité des gens à travers la province. Nous avons un crédit d'impôt pour les gens du Nord pour aider les gens qui ont des problèmes à payer leurs factures d'électricité. Nous sommes bien reconnaissants des pressions, on a pris des mesures, on va maintenir ces programmes en place et on va avancer sur cette base-là. Merci. Question complémentaire. Monsieur le ministre, les tarifs d'électricité sont très élevés pour les gens qui doivent payer les tarifs du marché, mais les gens qui ont un contrat à long terme avec les détaillants de l'énergie, c'est vraiment la goutte qui fait couler le vase. Le gouvernement a fait de changements, mais les compagnies ont trouvé de nouveaux moyens pour s'échapper de l'erreur. J'ai vu des invités qui ont signé pour les résidents. Est-ce que le ministre sera du côté des consommateurs vulnérables et va arrêter ces pratiques dangereuses? Le ministre de l'Énergie, la ministre des services aux consommateurs? Je vais remercier la députée de la question. Je suis toujours intéressé à entendre davantage comment est-ce qu'on peut protéger les consommateurs en Ontario. J'ai été en discussion avec le ministère de l'Énergie quant à un prix juste pour les consommateurs et des pratiques justes pour que les consommateurs connaissent leurs droits et qu'ils savent exactement ce qu'ils achètent. Je pense qu'on en a un bilan très fort en Ontario, des pratiques justes, mais je suis ouverte à de nouvelles suggestions et je peux parler avec la députée davantage. Merci. Nouvelle question, la députée d'Oakville. J'ai une question pour le ministre du Développement du Nord et des Mines. Dans ma circonscription d'Oakville, mes concitoyens voient des avantages du plan de croissance pour le Golden Horseshoe. En avançant ce plan, on peut contrer les difficultés. Mais les gens qui vivent dans ma région ont des défis différents de ceux qui vivent dans le Nord. Et pendant l'Association des municipalités de l'Ontario, j'ai pu parler à des gens des municipalités sur le plan de croissance pour le Nord. Est-ce que le ministre peut indiquer comment est-ce qu'on travaille avec les gens du Nord pour veiller à un plan de croissance pour le Nord? Merci, le ministre. Je remercie le député d'Oakville et je le remercie d'être venu à la réunion de l'Association des municipalités du Nord. Le gouvernement, sous la première ministre Wynne, veut s'assurer que les gens du Nord puissent avoir beaucoup de prospérité et de croissance. La première ministre était à Thunder Bay la semaine dernière. On a eu une table ronde sur les emplois avec les chefs de file et on engage les maires du Nord et les intervenants. Et ça, c'est très important. On va continuer le travail pour augmenter le développement des capacités, en particulier quant aux choses, aux investissements qu'on a eus, quant au plan de croissance. Il y a un fonds pour de patrimoine du Nord auquel on a ajouté 100 millions de dollars pour appuyer des projets qui créent des emplois et des investissements. Et on a beaucoup de partenariats et on va appuyer la collaboration avec tous les partenaires sociaux, les municipalités et d'autres, même les institutions sans but lucratif. Et les gens du Nord demandent à ce qu'on ait ces projets-là. Et on a aussi une stratégie de transfert qui est très importante et on veut maintenir un nord-ouest de l'Ontario durable avec beaucoup de croissance. Et on veut avoir une croissance et la prospérité. Merci, Monsieur le Président. Le député de Timmins Bay James, un rappel au règlement.
Pendant la période des questions, ma chef a demandé une question sur le comité. Je veux dire, elle n'a pas mis en question votre décision quant aux discussions que vous avez eues avec M. James. Ça faisait l'objet de vos discussions. C'est la responsabilité de cette Chambre et du règlement selon la portée. Les commissions ont des pouvoirs, ils peuvent faire ce qu'ils font parce que ça existe dans le règlement. Mais cette Chambre a l'autorité d'élargir la portée du mandat et ça fait partie de notre droit. Je vais vous donner l'avis. Et vous n'avez pas besoin de m'envoyer un avis parce que je vais expliquer au député qui s'est levé quand il n'aurait pas dû. La question d'intimidation alléguée du président a été traitée. Ma perception, c'est que la chef du troisième parti allait poser une question là-dessus. J'avais une perception en tant que président que la députée allait poser une question là-dessus. Je lui ai demandé de modifier sa question, ce qu'elle a fait, et je suis reconnaissant du fait qu'elle a fait, et c'est le point où je l'ai arrêté. Vous n'avez pas besoin de donner un préavis parce que j'ai eu la perception qu'elle prenait une voie sur laquelle on avait déjà décidé. On laisse la députée de Nepean Curl. Un rappel au règlement. Merci beaucoup. Je remarque que mon ami RSC Exum vient de Colombie-Britannique, un ancien collègue, et on a travaillé pour Joe Plaguey. Et il y a beaucoup d'années, deuxième fois. Nous avons... Le procureur général, s'il vous plaît, la parole est à moi. Nous avons un vote différé sur la motion portant deuxième lecture du projet de loi 55, loi modifiant la loi sur les agences de recouvrement, la loi 2002 sur la protection du consommateur et la loi 2002 sur le courtage commercial et immobilier et apportant des modifications correlatives à d'autres lois. Appelez les députés, sonnerie de 5 minutes.
Yeah, I would have helped. Member state, there's... Messieurs et mesdames les députés, veuillez regagner vos sièges, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs les députés, s'il vous plaît, veuillez vous asseoir. Merci. Le 23 avril, Mme Charles a proposé la deuxième lecture du projet de loi 55. Tous ceux qui appuient le projet de loi avaient évolué à tour de rôle. Mr. Garrettson. Mrs. Jeffrey. Mrs. Jeffrey. Mr. Souza. Mr. Souza. Ms. Wynn. Ms. Wynn. Ms. Matthews. Ms. Matthews. Madame Mayer. Madame Mayer. Ms. Sandel. Ms. Sandel. Mr. Hoskins. Mr. Hoskins. Mr. Quinter. Mr. Quinter. Mr. Bartolucci. Mr. Bartolucci. Mr. Bardinetti. Mr. Bardinetti. Mr. Dillon. Mr. Dillon. Mr. Duguid. Mr. Duguid. Mr. Gravel. Mr. Gravel. Mr. McMeekin. Mr. McMeekin. Mr. Chan. Mr. Chan. Ms. Peruzza. Ms. Peruzza. Mr. Murray. Mr. Murray. Mr. Shirelli. Mr. Shirelli. Mr. Leal. Mr. Leal. Mr. Delaney. Mr. Delaney. Mr. Flynn. Mr. Flynn. Mr. Morrow. Mr. Morrow. Mr. McNeely. Mr. McNeely. Mr. Quadri. Mr. Quadri. Mr. Moridi. Mr. Moridi. Mr. Orzetti. Mr. Orzetti. Mr. Coteau. Mr. Coteau. Mr. Sergio. Mr. Sergio. Mr. Nakvi. Mr. Nakvi. Mr. Zimmer. Mr. Zimmer. Mr. Balkison. Mr. Balkison. Ms. Albanese. Ms. Albanese. Mr. Dixon. Mr. Dixon. Ms. Jassy. Ms. Jassy. Ms. Hunter. Ms. Hunter. Mr. Fraser. Mr. Fraser. Mr. Del Duca. Mr. Del Duca. Ms. Wong. Ms. Wong. Ms. Dommerla. Ms. Dommerla. Mr. Kraft. Mr. Kraft. Ms. Manga. Ms. Manga. Mr. McDonnell. Mr. McDonnell. Mr. Wilson. Mr. Wilson. Mr. Arnold. Mr. Hardiman. Mr. Hardiman. Mrs. Elliott. Mrs. Elliott. Mr. Hudak. Mr. Hudak. Mr. Yakubuski. Mr. Yakubuski. Ms. McLeod. Ms. McLeod. Mr. Miller, Perry Sound, Muskoka. Mr. Miller, Perry Sound, Muskoka. Mr. Cleaves. Mr. Cleaves. Mr. Hillier. Mr. Hillier. Mr. Dunlop. Mr. Dunlop. Ms. Jones. Ms. Jones. Mrs. Monroe. Ms. Monroe. Mr. Chudley. Mr. Chudley. Mr. Clark. Mr. Clark. Mr. O'Toole. Mr. O'Toole. Mr. Ouellette. Mr. Ouellette. Mr. Bailey. Mr. Bailey. Mr. Jackson. Mr. Jackson. Mr. Smith. Mr. Smith. Mr. Harris. Mr. Harris. Ms. Thompson. Ms. Thompson. Mr. Urich. Mr. Urich. Ms. Scott. Ms. Scott. Mrs. McKenna. Mrs. McKenna. Mr. McNaughton. Mr. McNaughton. Mr. Leone. Mr. Leone. Mr. Pettipies. Mr. Pettipies. Mr. Walker. Mr. Walker. Mr. McLaren. Mr. McLaren. Mr. Nichols. Mr. Nichols. Mr. Singh. Mr. Singh. Mr. Bisson. Mr. Bisson. Ms. Horvath. Ms. Horvath. Ms. DeNovo. Ms. DeNovo. Mr. Marchese. Mr. Marchese. Madame Gelina. Madame Gelina. Ms. Taylor. Ms. Taylor. Mr. Nadishka. Mr. Nadishka. Mr. Tabbins. Mr. Tabbins. Mr. Miller Hamilton, East Stony Creek. Ms. Forster. Ms. Forster. Ms. Campbell. Ms. Campbell. Mr. Vantoff. Mr. Vantoff. Mr. Shine. Mr. Shine. Ms. Armstrong. Ms. Armstrong. Mr. Mantha. Mr. Mantha. Ms. Fife. Ms. Fife. Mr. Hatfield. Mr. Hatfield. Ms. Sattler. Ms. Sattler. All those opposed to this rise, one of them. Tous ceux qui sont contre, veuillez vous lever à tour de rôle. Il n'y en a pas. Pour 96, contre 0. Vu qu'il y a 96 pour et 0 contre, la motion est adoptée. Deuxième lecture du projet de loi. Est-ce qu'on envoie le projet de loi en troisième lecture? Monsieur le Président, je demande qu'on envoie au comité permanent de l'Assemblée législative qu'il soit ordonné. Vu qu'il n'y a pas d'autres mises aux voix, la séance est en pause jusqu'à 15 heures.